Si l'on devait la définir, pluri-elle serait le qualificatif le plus approprié. Entrepreneur, activiste, femme politique, dans sa carrière, elle met un point d'honneur à élever et édifier les femmes. Ketia Olenghi, présidente de la Fondation Néema, ou Grâce en français, et également présidente nationale de la Ligue des Femmes, Alliance des Congolais Progressistes. Mais c'est en qualité d'initiatrice du Forum panafricain des femmes entrepreneurs que nous la recevons aujourd'hui dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire. Madame Olenghi, bienvenue et merci d'avoir fait le déplacement pour répondre à nos questions. Merci. Vous êtes à Abidjan depuis quelques jours déjà. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut connaître le but de cette visite ? Merci. Déjà, Abidjan, j'ai toujours dit Abidjan, c'est Kinshasa. La Côte d'Ivoire, c'est mon deuxième pays. Je suis là pour une réunion préparatoire de la 5e édition du Forum panafricain des femmes entrepreneurs qui se tiendra ici à Abidjan du 23 au 25 mars. Et aussi pour le lancement de la campagne de communication de ce grand événement. Alors, le Forum panafricain des femmes entrepreneurs, mm-hmm. c'est quoi ? Le Forum panafricain des femmes entrepreneurs, c'est un forum qui réunit les femmes africaines pour décider, mettre nos idées ensemble, décider sur le sort de notre continent. Vous savez, la femme africaine, c'est elle qui détient l'économie informelle. Et si vous remarquez, ça va faire de cela plus d'un siècle que la femme africaine c'est elle qui détient l'économie, c'est elle qui va au marché, c'est elle qui vend, c'est elle qui va au champ. En fait, c'est la femme qui a la charge de la famille. Alors, elle est dans l'économie, mais l'économie informelle. Alors, à travers ce forum, tu laissais dire, nous les femmes, vu que nous sommes là pour prendre en charge nos familles, vu que nous sommes dans l'informel, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces femmes se prennent en charge? Qu'est-ce qu'il faut faire pour structurer ce qu'elles font déjà comme activité génératrice de revenus? En fait, c'est un endroit où nous nous mettons ensemble pour trouver des solutions pour le développement économique de notre continent. Est-ce que ces solutions que vous trouvez à travers quand même ces 5 éditions mm-hmm. ont déjà pu être présentées aux différents gouvernements? Déjà, au niveau de la République démocratique du Congo, nous avions eu 4 éditions. Donc, la première édition était à Kinshasa. La deuxième édition à Bukavu. Bukavu, c'est au sud Kivu. C'est à l'est de la République démocratique du Congo. La troisième édition à Lubumbashi. En fait, c'est à la troisième édition que nous avions eu des résultats et nous avions initié des projets et nous avons concrétisé ces projets. Donc, à la troisième édition, la thématique était la femme entrepreneur et les opportunités dans les secteurs agricoles et les secteurs miniers. Est-ce que les femmes africaines se retrouvent dans ces deux secteurs? Justement, c'est comme je parlais de l'économie informelle. Ce sont les femmes qui vont dans les champs. Ce sont les femmes qui sont agricultrices. Mais est-ce qu'elles sont outillées? Est-ce que les gouvernements les accompagnent? Mm-hmm. Les femmes africaines font de l'entrepreneuriat, mais c'est de l'entrepreneuriat informel. Voilà. Alors, je peux dire en votre thème d'entrepreneuriat de survie. Elles le font juste pour nourrir les familles. Mais si on capitalise tout ce qu'elles font, si on les met ensemble, si on les accompagne dans les finances, nous aurons des grandes dames, nous aurons une grande production et nous pouvons produire à grande échelle. Donc, après la troisième édition, on s'est dit, nous avons des agricultrices, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour les mettre ensemble? Qu'est-ce qu'il faut faire pour produire à grande échelle? Si je dois parler de la République démocratique du Congo, nous importons tout chez nous. La farine de blé, la semoule de maïs, tomates, tout ce que tu veux. Les produits de première nécessité, nous importons. Et pourtant, nous avons 80 millions de terres arables en République démocratique du Congo. Alors, j'ai été inspirée, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à cette situation? Pourquoi on doit tout importer? Ce qui fait que la vie coûte très cher chez nous en République démocratique du Congo. Oui. Et pourtant, les femmes sont là, elles travaillent déjà. Mais comme elles ne sont pas accompagnées, comme elles ne sont pas financées, comme elles ne sont pas outillées, elles produisent juste en raison de survie. Non pas en raison de produire à grande échelle pour nourrir la population congolaise. Alors c'est comme ça qu'après la troisième édition, nous avions initié le projet Tulim et Pamoja. C'est en Swahili, ça veut dire cultivant ensemble. C'est un projet qui a pour but de développer le milieu rural en installant des unités de production, de transformation, donc une société agroalimentaire. Donc qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons d'abord identifier un territoire chez nous, un village, si je peux dire un village, je ne sais pas comment vous appelez ça ici en Côte d'Ivoire, chez nous on dit territoire. Nous avons identifié un territoire pilote. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons identifié les femmes agricultrices de ce village-là, nous avons mis en coopérative, nous les avions financées, outillées, nous avons fourni des engrais,
Et elles ont produit du manioc. Nous avons racheté ces maniocs-là. Et comme nous avions installé ces unités de transformation toujours là, sur place, ce qui fait que nous avons créé de l'emploi. Donc, les hommes travaillent dans l'usine et les femmes sont dans les champs. Voilà. Ce qui fait que nous avons créé une activité génératrice de revenus, une activité économique dans ces territoires et dans ces villages. Donc, il n'y aura plus exode rural. Et quand je parle de la production, nous produisons la farine de manioc de première qualité, made in Congo, et c'est produit dans ce territoire-là et c'est distribué dans les grandes villes. Donc ça, c'est un modèle de développement économique que nous avions initié juste après la troisième édition du Forum par une femme d'entrepreneurs tenue à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Alors, pourquoi cette délocalisation à Abidjan? Voilà, on parle de forum panafricain, donc ça concerne tous les Africains. J'ai d'abord voulu commencer chez nous en République démocratique du Congo. Vous savez, il y a beaucoup de forums, il y a beaucoup de rencontres, des ateliers, tout ce que tu veux, mais après, on ne sent pas cet impact économique. Je me suis dit, oui, je vais organiser des forums, je vais organiser des conférences, mais je n'aimerais pas être comme tout le monde. J'aimerais faire des choses où aujourd'hui, on s'est mis ensemble, nous décidons de changer la situation économique de nos pays, mais il faut qu'il y ait du concret, pas juste aller se rencontrer, parler, et puis après, il n'y a rien. Oui. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est d'abord de voir, est-ce que chez moi, en République démocratique, je pouvais faire quelque chose de concret? Est-ce que je pouvais créer de l'emploi? Est-ce que je pouvais initier des projets et les réaliser? Pour ne pas dire, je viens en Côte d'Ivoire, oui, mais qu'est-ce que vous avez fait, Madame Kétia? Au moins, aujourd'hui, je peux dire, j'ai initié un forum, et après ces forums, nous avons réalisé des projets qui ont créé de l'emploi, qui accompagnent les femmes, et nous produisons la farine de manioc, nous produisons la farine de maïs qui est vendue sur le marché congolais. Donc aujourd'hui, je peux venir en Côte d'Ivoire, organiser ce forum, tout en me disant, je serai acceptée parce que je suis dans le concret, j'ai réalisé. Si j'ai pu réaliser chez moi en République démocratique du Congo, nous pouvons faire la même chose dans tous les pays africains. Pourquoi la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, c'est mon deuxième pays. La Côte d'Ivoire, c'est le miroir de l'Afrique. La Côte d'Ivoire, c'est un modèle de développement. Alors, si nous venons avec ce forum en Côte d'Ivoire, c'est justement pour faire entendre la voix de la femme africaine. Parce qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, si je peux dire, c'est un pays, si je peux dire un pays international, c'est un pays panafricain. Nous retrouvons tout le monde en Côte d'Ivoire. Il y a des Européens, il y a des Chinois, il y a des Africains. Donc, je pense que c'est un peu comme un carrefour. Ouais. Et ce carrefour va faire en sorte que j'ai la capacité de réunir toutes ces femmes, des différentes nationalités. On peut aussi dire les femmes européennes, asiatiques, les femmes africaines, dans ce carrefour, parler, discuter et voir ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire pour le développement de notre continent africain. Parlons de cette édition en particulier, qui est la cinquième, Femmes entrepreneurs face à la transition écologique. Pourquoi avoir fait le choix de parler du changement climatique? Je pense que le changement climatique, c'est la thématique de l'heure. C'est une question très pertinente. Vous savez, en parlant de l'agriculture, en parlant de la femme en milieu rural, en parlant de la femme agricultrice, ce sont les femmes les plus affectées. Le changement climatique. Par rapport à ce changement climatique. Ce sont les femmes qui subissent ce réchauffement climatique. Et ça affecte même les récoltes, parce qu'il y a la sécheresse. Mais elles ne sont pas entendues. Vous savez, l'Afrique ne pollue vraiment pas, si je peux dire, la planète. Parce qu'on n'est pas... On n'est pas industrialisé de la même manière. On n'est pas industrialisé. C'est l'Europe qui pollue, si je peux dire, la Chine, tous ces pays-là. Mais les victimes, ce sont les Africains. Parce qu'on n'a pas un système qui protège, on n'a pas un système qui accompagne, on n'a pas un système qui couvre justement ces femmes-là qui sont dans les champs. Alors, moi je me dis, la femme doit parler maintenant. C'est vrai qu'il y a des grandes conférences qui se tiennent, la COP27, tout et tout. Mais je pense qu'il est temps que la femme s'exprime par rapport à ce qu'elle vit. Et la particularité de ce forum, nous allons impliquer les femmes en milieu rural. Elles seront aussi là, elles vont parler, elles vont dire ce qu'elles vivent. Parce que ce sont elles les premières victimes, ce sont elles qui subissent en fait ces changements climatiques, ces réchauffements climatiques. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc moi, pour moi, ce thème, cette thématique, elle est très pertinente, c'est la thématique de l'heure. Nous devons en parler, surtout les femmes. Et si on doit en parler, vous savez, la nature, on parle de la nature, c'est féminin. Les hommes en parlent, mais jusque-là, il n'y a pas de solution. Mais je pense que parce que la nature, elle est féminine, la nature parle, elle s'exprime. La nature est en colère. Nous l'exploitons. Elle nous donne tout, la nature. Nous avons tout, nous avons à manger, nous avons tout ce que nous pouvons avoir. Mais
qu'est-ce que nous faisons? Elle est en colère, elle est fâchée, c'est pourquoi elle s'énerve. Et nous avons des désordres, des catastrophes parce qu'elle est énervée. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour négocier avec la nature? Et je pense que parce que c'est la nature, c'est au féminin, c'est la femme qui va négocier avec la nature pour qu'il y ait la solution. Donc, c'est très important ce thème, c'est le thème de l'heure. Et la femme, elle est la plus affectée, elle doit s'exprimer pour qu'il y ait un changement concret. Alors, il est vrai que vos activités portent sur l'entrepreneuriat, mais abordons la question du salariat. En Sierra Leone, une loi impose aux employeurs du public comme du privé un quota de 30% d'emplois réservés aux femmes. Quel regard portez-vous sur cette loi? C'est déjà une avancée. Je félicite le gouvernement sierra-léonais. Vous savez, on ne peut pas développer l'Afrique sans l'implication de la femme. La femme africaine est un levier incontournable de développement pour notre continent. On ne peut pas se dire de développer l'économie africaine sans impliquer la femme. C'est comme j'ai dit quand au début de notre interview, j'ai dit la femme africaine, au départ, elle est déjà entrepreneur. Parce que des fois, on se dit entrepreneur, c'est avoir une grande société, dans le climat, être dans un endroit confortable, climatisé. Non. Cette femme qui va au marché, cette femme qui va au marché de Yopougon, cette femme qui est à Bobo, elle est entrepreneur parce qu'elle a une activité économique, elle a une activité commerciale. Sauf que peut-être que c'est pas formel, c'est dans l'informel. Mais justement, ce genre de forum, ce genre de conférence, c'est juste pour aider ces femmes à structurer ce qu'elles font déjà. Structurer ce qu'elles font, les mettre ensemble pour avoir la capacité de produire à grande échelle, vendre à grande échelle. C'est un peu ça le but de ces genres de femmes, comment accompagner ces dames-là. Mais au départ, ce sont des femmes entrepreneurs, ce sont des femmes qui ont des activités génératrices de revenus, ce sont des femmes qui peuvent payer leurs taxes, qui peuvent contribuer au développement économique africain. Donc, c'est vraiment très important pour nous d'impliquer les femmes. Alors, en parlant de d'engager les femmes dans le secteur public, c'est comme je dis, elle a quelque chose à rapporter. Une femme qui gère son foyer, elle peut gérer un pays. Parce que déjà, si tu peux gérer ton mari, tu peux gérer des enfants. Et c'est la femme qui éduque les enfants. Si une femme peut éduquer des enfants, elle a la capacité de gérer un pays. Donc, je reviens à dire, je réitère pour dire, c'est très important d'impliquer les femmes dans les décisions d'une nation. Alors, je félicite la Sierra Leone, je félicite aussi le gouvernement ivoirien parce qu'il y a assez de femmes représentées dans les postes de décision. Je félicite aussi le gouvernement congolais parce que chez nous, au République démocratique du Congo, il y a au moins 30% des femmes qui occupent les postes de décision. Donc, pour moi, je conseillerais d'autres nations africaines d'impliquer les femmes dans les décisions. Et si on implique les femmes dans les décisions, vous verrez comment est-ce que l'Afrique va décoller. Alors, un dernier mot pour rappeler les femmes qui hésiteraient encore à se rendre à votre événement. Comment vous pourriez les convaincre en quelques mots? Le dernier mot, c'est de dire aux femmes africaines, venez, mettons-nous ensemble. Vous savez, l'Afrique est arrivée à un niveau où, j'aime beaucoup les hommes, parce que ce sont les hommes qui nous accompagnent, mais la femme a un mot à dire, parce qu'elle a prouvé qu'elle pouvait tenir sa famille, elle pouvait tenir son mari, elle pouvait éduquer ses enfants. La femme a supporté économiquement les foyers, les maisons. Alors, je pense que si à ce niveau, elle pouvait le faire, elle a un mot à dire. Alors, il est temps que les femmes africaines, mettons-nous ensemble dans l'unité, le continent, mettons-nous ensemble. Vous savez, j'ai toujours dit, le continent africain, moi, je ne me considère pas comme une Congolaise, je me considère comme une Africaine. Le continent, c'est un pays. Donc, la division, mettons-nous de côté, mettons-nous ensemble. Et si nous levons notre voix, surtout les femmes, levons nos voix, parlons, je pense que cette voix, s'il y a plusieurs femmes, le monde entendra la voix de la femme africaine et les choses vont changer en Afrique. Le monde entendra la voix de la femme africaine. On va conclure notre interview sur ces mots. Kitia Olenghi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes l'initiatrice du Forum panafricain des femmes entrepreneurs qui aura lieu du 23 au 25 mars 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de C'est-à-dire. Bonne suite des programmes sur cette info. Merci beaucoup.